Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. On va tester ensemble ce mascara là, donc c'est la nouveauté MAC. C'est le MAC Stack, je le vois tourner un petit peu partout en ce moment sur Instagram. La marque vient de me l'envoyer, je ne l'ai pas du tout essayé, je ne l'ai même pas ouvert, je vous attendais vraiment. Donc là je suis sur la petite description sur le site internet MAC. Donc en réalité il y en a 3. Donc il y a le Mega Brush, donc ils disent idéal pour les cils longs. Il y a le micro brush, idéal pour les cils courts. Et ensuite, il y a le mini MAC. Donc, c'est les mêmes caractéristiques du méga brush, mais en format voyage. Moi, j'ai le méga brush. Donc, tant mieux, puisqu'ils disent idéal pour les cils longs. Moi, j'ai des cils, relativement longs, normal à long. Donc, écoutez, on va lire la petite description plus en profondeur. Au niveau du prix, on est à 33 €. Ils disent que c'est un mascara qui se superpose à l'infini pour un volume intense et une longueur extrême, avec une brosse plus grande, idéale pour les longs cils. Et bien écoutez, on va donc tester ça ensemble. Donc au niveau de la brosse, ok, c'est une petite brosse comme ça, en petit picot silicone. Et bien j'ai hâte de tester. Comme d'habitude, je vais faire un œil par un œil. Volume et longueur, et surtout volume à l'infini. Et eux, le côté marketing, c'est qu'on peut superposer à l'infini. Donc ben écoutez, on va superposer à l'infini, on va voir si ça fonctionne bien et surtout si on évite tout ce qui est paquet. Donc voilà ce que ça donne pour la première couche. Couche numéro 2, on y retourne. Hop. Bon, en tout cas, ça englobe bien les cils. Il est plutôt très facile à appliquer. Pour une fois, j'en ai pas mis partout, ça c'est extrêmement rare, je tiens à le souligner. Franchement, pour le moment, le résultat, c'est pas mal. Hein. Bon, allez, on y va, on remet une dernière petite couche. Hop. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose, la troisième couche. Enfin, quoique, en fait, j'ai l'impression que ça me sépare. Si, ça m'a rajouté du volume et ça me sépare bien les cils. Ouais, bon, moi je veux m'arrêter là parce qu'après ça fait un résultat un peu too much pour moi, trop. Mais par contre, non, le résultat est pas mal. Hein. Ils sont bien recourbés, en effet, ils ont gagné en longueur. Et ouais, forcément, j'ai pas mal de volume. D'un petit peu plus loin, voilà ce que ça donne. On voit bien la différence. Longueur, volume, cils bien séparés. J'ai aucun paquet. Pourtant, j'en ai, voilà, j'ai quand même mis 3 bonnes couches. Franchement, j'aime bien le résultat. Je vous zoome d'un petit peu plus près. Je vous zoome même de beaucoup plus près. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai absolument pas débordé. Ça n'arrive jamais. Donc je suis plutôt contente. Comme je disais, la brosse, elle attrape bien les cils. Ça les sépare bien. Ils sont bien gainés. Ils ont bien en volume, en longueur. J'imagine qu'on peut encore remettre d'autres couches. Moi, je m'arrête là parce qu'autrement, ça va faire des cils un petit peu trop épais, limite pâte d'araignée ou quoi que ce soit. Donc je suis pas fan. Mais par contre, 3 couches, parfait. Et voilà ce que ça donne avec les deux yeux de fée. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Celui-ci, j'ai mis une petite couche en plus. Je vais vous zoomer. Donc voilà, si on compare, j'ai un petit peu plus de volume. Mais finalement, je préfère ce résultat-là, un petit peu plus naturel. Mais finalement, c'est pas mal. Hein. J'ai pas de paquet, rien. Mais mes cils, ils restent... Donc là, le produit est totalement sec. Il reste souple. Et franchement, je le sens... Bon, j'en ai mis pas mal. Hein. Je le sens pas sur mes cils. Franchement, c'est pas quelque chose... de lourd à porter. Ouais, mais écoutez les filles et les garçons, ça y est, mon crash test est maintenant terminé. Donc vous l'aurez compris, franchement c'est un mascara que j'aime bien. Je valide le crash test. Donc à savoir, moi j'ai la brosse méga brush. Honnêtement, je la trouve pas si méga que ça. En tout cas pour moi, pour mes cils, elle est parfaite. Je trouve que c'est vraiment la bonne taille. Et bien écoutez, si jamais vous avez déjà testé ce mascara, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous !